Mesdames, Messieurs, nous vous remercions de votre présence à la cérémonie de ce jour. On y est. Oh Belgique, oh mère chérie, à toi nos cœurs, à toi nos bras, à toi notre sang. Mesdames et messieurs, dames honneurs, chers enfants, best kinder,
Le souvenir du bonheur n'est plus du bonheur. De façon étrange, ce furent la belle époque et les années folles qui précédèrent les deux guerres mondiales de 1914 et 1940. Le souvenir de la douleur est de la douleur encore. Lorsque le poète britannique Lord Byron cita ces deux interprétations du souvenir, il fut loin de penser que des soldats allaient se battre avec acharnement lors de deux conflits mondiaux en 1914 et 1940. À la veille du 11 novembre, qui marque la fin de la Première Guerre mondiale, il est important de se souvenir du sacrifice de nombreux militaires et civils qui défendirent les libertés que vous connaissez aujourd'hui. Malgré son statut international de pays neutre, la Belgique fut occupée par le même ennemi en 1914 et en 1940. Ces deux conflits furent horribles et pénibles, tant pour nos soldats que pour la population civile. Souvent, les guerres apportent de nouvelles innovations. Le conflit mondial de 14-18 ne dérogea pas à cette triste réalité. Certaines inventions furent diaboliques et provoquèrent des dégâts humains incroyables. De nouvelles machines de guerre, comme les chars d'assaut et les avions, provoquèrent encore plus de morts que lors des batailles du 19e siècle. De plus, l'homme s'est plu à inventer des produits mortels qui causèrent sur le front des combats des milliers de morts et d'handicapés à vie. L'utilisation de gaz mortels, comme le gaz moutarde, prouva que l'être humain est parfois bien pire qu'un animal. Oorlog is een droevig spektakel. Niemand is bereid om zoveel gruweldaden te aanzien. Vandaag strijden we voor vrede, vrijheid en dialoog voor iedereen. Voor het Belgisch volk was de oorlog van 1914 een nachtmerrie. 104.987 mensen werden gedood, meer dan het dubbel van de bevolking van onze gemeente Gent. En 1914 ou en 1940, en dehors des combats sur terre, sur mer ou dans les airs, nombreux furent les civils qui payèrent chèrement la défense de nos libertés face à un ennemi souvent impitoyable. Ces hommes et ces femmes versèrent leur sang pour que leurs enfants puissent vivre et grandir dans un monde meilleur, et libre de toute contrainte allant à l'opposé de nos libertés fondamentales, que sont la liberté de presse, des cultes, de l'enseignement et de l'association des personnes. La bravoure de tous les combattants laissa de nombreuses familles dans la désolation, mais aussi de nombreux enfants sans leur père ou leur mère. Lors de l'armistice de 1918, la population belge parla de cette guerre comme devant être la dernière. La der des ders, comme on avait coutume de dire à l'époque. Ce ne fut malheureusement pas le cas. Et les enfants de 14-18 devinrent les soldats de 40-45. D'un côté, cette jeunesse à nouveau sacrifiée défendit avec force et vigueur nos libertés. Et de l'autre, cette même jeunesse attaqua notre pays avec un esprit de revanche et de haine incroyable. Les règles élémentaires de la guerre furent bafouées par un ennemi sans aucune pitié. Les atrocités de ce second conflit mondial furent pires encore. Plus de 60 millions de civils, adultes et enfants furent assassinés, tués, massacrés ou gazés. Plusieurs millions de ces victimes. Les représentants de la Fédération nationale des combattants. Jullie aanwezigheid deze namiddag verwarmt het hart van alle hier aanwezig volwassenen, jullie raren, de gemeenschappelijke overheden en de vertegenwoordigers van de Nationaal Strijdersverbond. En effet, vous savez quels sont les événements dont nous nous souvenons aujourd'hui et demain.
Non seulement nous nous souvenons évidemment de la Première Guerre mondiale et de l'armistice qui ont bien l'importance de cette commémoration. Inderdaad, je weet wat evenementen die we vandaag en morgen herinneren. Niet alleen herinneren wij duidelijk de Eerste Wereldoorlog en de wapenstilstand van 11 november, maar wij herinneren ook alle mensen die slachtoffers van alle oorlogen zijn geweest. U begrijpt het belang van deze herdenking. Tijdens de 20e eeuw, het is niet zo oud, zelfs als je geboren bent in de 21e eeuw, heeft de menselijke dwaasheid.